Good and Evil Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! L'accès au funiculaire. Le 1, 2, 3, poussez. Exercice de base, page 02. Le 1, 2, 3, poussez. Ça ira pas plus loin par là. Bien joué, Yad. Bien joué. Il y a un passage là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, j'y arriverai jamais toute seule. Bon, respectez le binôme, chapitre 12. Chose j'ai pas vu ou quoi?
Je bouge pas de là. Je couvre vos arrières, Moiselle Jade. Good. Et moi, comment je fais pour aller là? Ah, ok, va. Bien reçu. Manuel Cavana, comment ça va? Toujours chez l'autre, j'imagine. Défoncer la porte, contourne-la. Carlson et Peter, opus 4. Bravo, Moiselle Jade. Tu viens d'où, mon Cavana? Pas terrible. Ok. C'est bizarre. J'y vais! Oh! Oh!
Le troisième point d'observation, mademoiselle Jade, atteint le troisième point d'observation. Ah. Bon retour, mouche. Salut, Marco Nito. Identification compte. OK. Une boîte de Kabobs régénère. Une boîte de Kabobs régénère toute votre. Un Starkos régénère votre énergie. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. OK. OK. Amoeba Saltan. Ça avance vraiment bien. Bonne chasse. Pas de rien. Intrusion. Procédure de destruction. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Tabarnak. C'est là que je voulais l'envoyer, esti. C'est ça. Ça fait ça, c'est ça. Intrusion, intrusion. Procédure. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Pas beau, ça. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Mais en calice. La dernière carte. Bon, les prises. Il me faudrait une clé spéciale, mademoiselle Jade. Allons-y. Il me faudrait une clé spéciale, mademoiselle Jade. Ok, peut-être faut que j'appuie sur...
Ok. Bien reçu. Pas sorcier, finalement. À l'école d'officier, on aborde ça qu'en troisième année. Si ça peut vous être utile, vos armures résistent au laser. Ok. C'est pas beau ça. À vos ordres. Vous allez déboucher dans la salle centrale. Allez prendre la photo du reportage. Je reste en couverture. C'est le C. Ton reportage est incroyable, Shawnee. On grave tout de suite le Iris 514. Je transmets au gouverneur. Elle acceptera de t'aider à nouveau. Je crois que nos photos peuvent arrêter tout ça. C'est la seule solution. Shawnee, double H, on a bien reçu vos clichés. Vous avez fait un travail exceptionnel. Rejoignez-nous au plus vite, où vous savez. Paige a dû subir tout ça. J'espère qu'il a survécu. Il est vivant, Mademoiselle Jade. Ils font très attention à les garder vivants. Ta-da-da-da. On va revenir.
Les sections Alpha et les Doms dirigent les enlèvements. Reportage exclusif dans le numéro 514 de Iris. Les sections Alpha et les Doms dirigent... Poser le poignet celui-là. Bougez pas, Moiselle Jade. Qu'est-ce dès qu'il y a un... Dès qu'il y a une caméra dessus, elle décolle. Je pense que je vais direct dessus puis je donne à manger, qu'est-ce qui arrive. Marche pas. Faut-tu que je suis extrêmement vite? C'est comme schling-schling. On casse pas le binôme! Carlson et Peter, page 823. Oh, tu me niaises! Le slow pot en arrière, j'aurais dû l'attendre un peu plus. Ah, par ici. On est
sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. C'est dans le quartier des abattoirs, ça. Ok, on déchiffre. Soyez prudents. On a fait au plus vite. Voilà le code. J'ai Bravo eu... pour votre reportage. 4 que... Vraiment des risques. J'espère qu'on pourra la remercier un jour. J'espère aussi. Mais pour l'instant, nous devons retourner à Iris. Il faut faire le point avec l'équipe. Excusez. Salut Marco Nito, comment ça va? Mouche au travail, j'imagine. Les bateaux, il faut les défendre. Ok, ne lâche pas d'une semelle. Ok, laisse faire. Là, bouge pas. Touché. Et où t'as battu, hein, là? Ah!
faut que vous activiez le code de réparation, mademoiselle Jeanne. Salut Jeanne. Si ça te tente, je mets une nouvelle perle en jeu. Celle-là, tu ne l'auras jamais. Je me suis entraîné à mort. Tu rentreras pas un palais. Salut Jeanne. Bon, allons-y. Salut Franck, comment ça va? Papa joue, le retour. Sa journée de congé. On a commencé un autre jeu hier, un jeu québécois. Ça s'appelle Joe Toon. Je l'avais déjà joué, mais je l'avais jamais terminé. Je m'avais pas rendu loin. Et là, je m'ai décidé de recommencer, il est tellement beau. J'ai reçu ma caméra aujourd'hui, puis ma carte de capture. Faudrait que je testerai ça bientôt. Là. Ça, ils ont augmenté les forces. Ça, il y a quelque chose par ici qui m'intéresse. Une clé spéciale. Spéciale comme moi. Il faut les angles des caméras, là. C'est pas hier qu'il y a une perle avant. 3000 cake. Identification compte. Ok.
Je vais attendre un peu. Identification compte. Ok. Ok, allons à l'affaire Iris. Ok, un bout. Ah ouais, c'est Ilien, debout. Tous avec Iris. Ilien, debout. Tous avec... Ilien, debout. Tout avec Iris. Ilien, debout. Tout avec Iris. Elle abrite dans les coquillages la perle et l'esclave du couvent. Tu le dis, mais tu sais, pour les coquillages, faut voir Belle Mirette. Chut. Tu vas sauvegarder au cas où il se passe de quoi. Ah, Jade, double H, vous tombez bien. Nous vous attendions. Il y a quelqu'un qui tient à vous rencontrer personnellement. Madame le gouverneur, permettez-moi de vous présenter notre... Oui, nous nous connaissons déjà, par email. Sachez que votre aide nous a été précieuse, gouverneur. Je crois que sans les codes, on n'aurait rien pu faire. Je suis ravie de pouvoir faire enfin ta connaissance, Jade. Tes reportages ont eu beaucoup d'effet sur la population. Encore un petit effort, et je suis certaine que nous pourrons compter sur le soutien de tout Illys pour chasser les sections Alpha et les Doms. Tiens, ceci te sera utile pour continuer le combat. Merci. Ça nous aidera à retrouver ceux qui ont disparu, s'il n'est pas déjà trop tard. Bon travail! Ah. Le chef! Il est vivant! C'est incroyable! Votre chef? Il avait disparu? Enlevé par les sections Alpha. Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Marcassin appelle Iris! Marcassin appelle Iris! Mais c'est mon oncle! Paige! Ton oncle? Notre chef? Il communique toujours avec vous par radio? Sécurité oblige. Jusqu'à ce jour, personne ne connaissait son identité. Paige, c'est toi? Il ne peut pas t'entendre, Jade. Taisez-vous tous, il va rappeler. Plus un bruit. Marcassin appelle Iris. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils sont partout. Ils m'ont embarqué sur la Lune. Voilà mes instructions. Communiquez ce message à Jade, votre nouveau reporter. Jade, lis le M10 que je t'ai laissé et trouve le vaisseau. Lis le M10 qui trouve. Ils arrivent, Jade! Il t'avait donné un M-disque ? Juste avant de se faire prendre. Écoute, Jade, ce vaisseau est providentiel. C'est l'élément qui nous manquait pour notre plan. Si tu le trouves, nous avons une chance de réussir. Paige est prisonnier sur la Lune, probablement avec toutes les autres victimes. Il faut aller là-haut. Nino a une idée, il va nous l'expliquer. Ils utilisent un émetteur longue portée pour diffuser leur propagande depuis la Lune. On pourrait vraiment frapper un grand coup en diffusant tes reportages sur leur propre écran, via l'émetteur lunaire.
c'est un excellent plan. Vous trouvez le vaisseau de Paige, vous allez sur la Lune, vous bouclez le reportage, vous prenez le contrôle de l'émetteur, vous diffusez le reportage, la population se soulève... Et c'en est fini des sections Alpha. Et qu'est-ce qu'en pensent Carlson et Peter ? Ils disent que c'est de la folie pure. Mais moi, je dis que c'est du gâteau. Aucun d'entre nous ne savait que Paige était le chef. Tu as vu les photos de l'abattoir ? Oui, c'est la 514 de sortie. C'est monstrueux ce qui se passe là-bas. Tu as déjà repéré l'émetteur. Les ondes proviennent de la surface de la Lune et doivent avoir une base là-haut. Tu sais pourquoi Paige planquait son vaisseau ? À mon avis, il devait sûrement essayer de se faire oublier un peu des sections Alpha. Mais il l'a certainement gardé à portée de main. Si tu le trouves, t'as passé 1000 fois à côté sans le voir. Les terroristes du réseau Iris ont porté des accusations diffamantes contre les sections Alpha. Les prétendues preuves, diffusées dans leur journal clandestin, sont des photomontages grossiers. Il avait l'air très faible. En tout cas, il est vivant. Et peut-être les autres aussi. Il faut faire vite. On a des infos sur la base lunaire. Très peu, aucun des vaisseaux de l'Iris n'est capable de quitter l'atmosphère. Si nous pouvons gagner la confiance de tous les Iliens, nous disposons d'une vraie flotte de combat. Jeanne, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'était des amis très proches. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Hélice. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. C'est bien ça, je... Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu, ton père et moi. Il existe encore. Mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer Salut, un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour... Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque. Mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive... Bonne chance à toi, Jeanne. Oncle Paige. Ah, les codes sont là, je pense. Mago, 12 plus 67, 119. M1A2, G6O7. Je vais prendre une photo de ça. Perles.
me demande comment il m'en va me falloir, combien qu'il va en manquer. Akutabar. J'ai déjà vu un interrupteur étoile. Quartier Est, derrière la fontaine. Ouais, c'est vrai. C'est bien. OCPLB, on casse pas le binôme. Pourquoi je me tasse? Pourquoi je tasse juste pas la caméra à la place? C'est bizarre ce que je fais. On va faire ça tantôt. Cet ascenseur mène à leur QG. Ne vous faites en aucun cas repérer. Ils seront sans pitié. Je vais trouver un moyen de vous rejoindre. Faites attention à vous, mademoiselle Jade. Tabarnak! Je savais pas qu'il y en avait là. M'a fait peur, lui. Thank you.
Y'a un gars là-dedans. Fais attention. Y'a pas de l'air à bouger. Tabarnak, qu'est-ce qui... Intrusion! Intrusion! J'avais pas vu celui-là. Là, je l'avais vu, mais en tout cas. Intrusion! Intrusion! 28. Perdu, petite. Vas-y, cours. Cours. Tu me fameuses. Ah.
casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Laissez-les partir. Ils vont nous mener à un bien plus gros gibier. Attends, c'est proche. L'assassin Alpha ne semble rien faire pour empêcher les disparitions. L'assassin Alpha appartient à un autre corps d'armée, mademoiselle. Debout ! Tous avec ! Ok. Entrepôt Alpha. Bon. Je vois où ça mène. Nino m'a parlé de l'endroit. Entrepôt secret des sections Alpha. Ok. Je ne bouge pas de là. Soyez prudente. De l'autre côté. Alarme, alarme, coup de pied à la face. Belle 29. Ah.
Deux perles. Tabarnane. Mademoiselle Jade, tout s'est bien passé? Incroyable. Ça va, mais vaut mieux filer d'ici avant qu'ils ne découvrent ce que j'ai récupéré. Ouais, le parking. Le stationnement. Allons chez vous. Il nous faut des indices pour trouver le vaisseau. Non, pas besoin pour l'instant. On va aller sauvegarder ça. On va changer de jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaussures? Vous les connaissez? M1 à 2. M1 à 2. Ah, les chaussures, c'est... Voilà.
Là. Je semble observer de près. Ah ah. P6V7. Je vais prendre une photo, je me rappellerai pas. P. 10. V. 7. Faut-tu que je fais les deux? Ou? P. 6. V. 7. Ça c'était B6J7. B6J7. Non, P6V7, B6J7. On va essayer l'autre en premier, comme ça. B6J7. Ah, c'est bien fait. Hein? Puis l'autre, c'est P6V7. G. C'est V7. Pourquoi tu mets J7, tabarnak? P6V7. Wow. Qu'est-ce que c'est ça que c'est? Pas bug. P6V7, B6J7. B6J7. J'ai rentré deux fois le même code. P6V7. À moins que c'est un U, je le sais pas. Là.
Cet indice a voulu nous dire quelque chose. La fin des bizarres, le tableau. Qu'est-ce que vous connaissez, ces chaussures? Elle était quelque chose de particulier. Si seulement on avait pu récupérer les objets sous toutes les coutures. Négatif, mademoiselle Jade. J'en sais juste qu'ils ont expédié des paquets de matériel là-haut ces derniers temps. Bon, code accepté. Deux chaussures, deux codes. Est-ce qu'il y a un autre tableau comme ce... Ah, ok! C'est deux codes à deux différents endroits, je comprends. Salut Zaza, salut Jad. Ça va mieux? Un peu. Courage Zaza. Merci Jad. Bouclier activé. Perfecto, c'est scanné. Superbe spécimen, je le répertorie. Tranquille, hein? Pas joué. Non, Waf! Non! Une loutre bipède. C'est incroyable.
C'est incroyable. Bravo, Jade. Ah, il est là, le cadre. Dans P. 6. V. Tu cliques dessus de nouveau. Les projectiles ennemis ont encore lourdes pertes parmi les civils. Le quartier est de la cité. Plus de 800 victimes ont été évacuées par les sections Alpha. Flash info, la guerre comme si vous y étiez. Le garage Mamago dans la baie du Sud a failli être détruit par la dernière attaque d'Homs. Grâce à l'intervention courageuse. Oh Pablo, tu vas pas me croire, il y a encore WAF qui. Ça va, j'ai pas de problème. Je vais m'en occuper, je te remercie pas bien. Parfait, mademoiselle Jade. On peut aller ouvrir la porte dans le hangar. Arrête, Waf ! Rends-moi ça ! T'as perdu, sac à puce. Prends-moi ça. Et voilà. Des goélands. Bien joué. Je pense que j'ai une perle en plus. Ok, ta pellicule est terminée. Yes. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Salut Yoa, salut Jade. Dis-moi Yoa, où est-ce que tu as entendu parler du réseau Iris? Comme IPJ parlait d'Iris, la nuit il regardait sous ses chaussures. Et puis il ouvrait les deux tableaux. Après moins d'avoir de quoi dans le laboratoire, il y a une porte. Ça ouvre probablement dans le hangar secret en bas. À ma gauche, non, il n'y a rien, c'était chaud. Une allocution du général Keck, chef suprême des sections Alpha. Nous rappelons notre devoir de citoyen et nous invitons à participer à l'effort de guerre. Rejoignant les sections Alpha. Amis, il y a
La guerre a craché son venin sur ta planète. Aidé par les traîtres du réseau Iris, l'ennemi d'homme s'affranchit les champs protégés. Ami Ilia. Passage secret. Le Beluga. Donc ça va être tout pour l'aventure du jeu Beyond Good and Evil live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!